Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment faire apparaître un texte avec un effet de glitch. Ici, on va prendre l'exemple d'un texte, mais on peut très bien faire apparaître une image avec un effet de glitch. Tout d'abord, nous allons nous rendre dans l'option Effets et nous allons chercher l'effet Déformation Numérique, VR, que nous déposons sur le texte. Une fois que nous avons déposé l'effet, nous allons aller dans Options d'effet, Déformation Numérique VR, et nous allons développer l'onglet Distorsion. Le but ici va être de créer des points clés sur 8 images. Pour créer des points clés, nous allons cliquer sur les petits chronomètres qu'il y a sur la gauche de l'écran. Et ici, il faudra tous les activer. Le but étant d'animer l'effet, nous allons donc varier les valeurs de cet effet. Nous pouvons faire ça de manière totalement aléatoire. Ceci n'aura pas d'importance. Maintenant que nous avons varié toutes les valeurs de la première image, nous allons nous déplacer dans l'image suivante. Et nous allons encore varier les valeurs. Une fois les valeurs changées à la deuxième image, nous allons maintenant changer les valeurs de la troisième image, et ainsi de suite jusqu'à 8 images. Une fois les valeurs des 8 images modifiées, nous allons nous rendre à la 9e image, et nous allons mettre toutes les valeurs à 0. Maintenant, pour avoir une arrivée en douceur, nous allons descendre dans les options d'effet, nous allons aller dans l'effet opacité, nous allons nous rendre à la première image, appuyer sur le chronomètre, et mettre la valeur de l'opacité à 0%, puis nous allons aller à la 9e image, et mettre la valeur de l'opacité à 100%. Pour ajouter un petit peu plus d'éléments et de structure à notre effet, nous allons rajouter un effet sonore de glitch. Vous pouvez le trouver sur internet, le télécharger et l'importer sur Premiere Pro directement. Mais moi, je vais choisir de le prendre dans le plugin Premiere Composer, où une vidéo a été dédiée à ce sujet. Pour trouver l'effet sonore de glitch, je vais aller dans Starter Pack, puis dans Transition, puis dans Digital Glitch. Ici, nous pouvons voir qu'on a une animation, mais là, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le son. Donc pour récupérer uniquement le son, nous allons mettre le cadenas ici au niveau du son. Nous allons prendre l'effet de transition et nous allons le supprimer. Nous déverrouillons le son et nous le plaçons au début du texte. Voyons voir maintenant comment ça rend. Eh ben c'est plutôt sympa. Et voilà, le tutoriel est maintenant terminé. Nous nous retrouvons très prochainement pour de nouveaux tutos et astuces en une minute.